Hello, hello, nap salé tout moun, nap salé tout fanatik nou yo, nap di nou bienveni. E avan nou ale pi loin, nap di tout moun nou promet ke pou nou fè yon green video pou ou chak mekredi e chak jedi, sa se ore chanel la. E si toutfwa tou ke nou gen chans pou nou fè yon green video avan de jou sa yo, nap kapab fèl pou ou men. Men, Ore chanel la, c'est chaque mercredi et chaque jeudi pour nous faire une grande vidéo pour fanatique nous yo. Eh bien, ça qu'a fait, ça qu'a parlé, comment bagay yo a marché. Et pren, nous pouvons parler jeudi, nous pouvons parler on point de Madame Zelensky, qui c'est président Ukraine, qui a acheté un Bugatti. Il a acheté un Bugatti, c'est bagay ça qu'a fait actualité. Et nous tous connaissons qu'en Ukraine, il y a guerre avec la Russie. Et dans le moment où je parle là, les gens qui toujours a soutenu et pays Ukraine, c'est président Biden qui toujours a bail et président Ukraine HEP qui toujours a voué l'argent pour aider. Eh bien, mais ça n'a pas passé. Eh bien, Madame Zelensky a acheté un Bugatti, brand new Bugatti 2024 ou bien 2025. Eh bien, c'est pas ça qui a fait actualité là. Ben ça a pile le monde qui a parlé sous lui, tout les médias ont parlé et comment que Madame Lee a acheté un Bugatti. Bon, il y a des gens qui disent comme ça que peut-être l'argent, c'est dans l'argent que vous voyez. Bay Zelensky, Madame Lee, et prend l'argent l'acheter Bugatti. Bon, je ne pas penser ça. Mon n'en doit gain fond pas, mon ou pas connaît qui job mamsel fait, qui ça la fait. Ah, mais si mon achète ton machine, ça va lui dire que comme si c'est dans fond l'état là, elle prend l'argent, l'acheter machine, ah, mon acheter machine, l'acheter machine. Qui voulait gagner dans ça, qui voulait gagner dans ça. Eh bien, ça tout le monde a voulu monter sous Madame Zelensky, et parce qu'elle a acheté un brand new machine qui c'est un Bugatti. Bugatti, ça, machine, ça, vraiment vendre cher. Mais, vous connaissez, on a obligé d'acheter une machine. Il fait tout le plaisir. C'est comme ça. Et l'autre point encore, Donald Trump t'a demandé pour immunité, et ça a passé depuis lundi. Eh bien, Donald Trump joint immunité dans Supreme Court. Et Supreme Court là, c'est un highest court qui gagne 9 juges là-dedans. 9 juges à eux, et 6 dans eux, c'est républicain, 3 dans eux, c'est démocrate. So, comment ils travaillent? Ils travaillent, c'est 9 juges. Et ils toujours, peut-être qu'il y a 6 contre 3 ou bien 3 contre 6. C'est comme ça qu'on dit. Il y a fois qu'on a passé une loi, 6 lois en faveur démocrate et 3 juges démocrates, ils ont voté sous lui. L'autre 6 qui sont républicains, ils ont voté contre 3. C'est comme ça qu'on dit. Mais l'humilité, c'est un bagage qui est Donald Trump demandé depuis les qui en 2017-2018, il a demandé Donald Trump pour lui, il a essayé de remove et pour te retirer Donald Trump sous pouvoir. Donald Trump a demandé immunité, mais il n'a pas de jambali. Mais après que Donald Trump vient de felony charge, le gain felony charge, ça veut dire qu'il n'a pas qu'à voyager, Donald Trump n'a pas qu'à voyager qui était payant. Eh bien, tu me sais, Jijo te venu juger ça nécessaire pour te bailler Trump immunité. Dans le moment où tu m'as parlé là, Trump gagne, joint immunité, il gagne lumière verte, Donald Trump calé côté livré. Eh bien, Donald Trump t'est supposé aller en prison, sentence pour prison, le 11 juillet. Mais Donald Trump pas parlé en prison encore, il y a risque de lui pour septembre. Et si Dieu Donald Trump a une chance lui toujours, Donald Trump et pas parlé en prison encore parce que il y a risque de date là pour septembre si Dieu Eh bien, l'autre point encore, l'autre bagay qui a parlé, et ou qu'on intime ce Kenya en Haïti, Timé Kenya a frappé avec gang yo, et Timé se mette pied à terre, il dit désormais, nek sa yo faut nous finir ensemble avec yo. Peut-être l'État bon, et si Timé ça, si Kenya on la paix, on la paix avec gang sa yo, peut-être Haïti te ka répondre force li encore tout, te ka entrer. Les grands pays, touristes pas entré, pas gain l'argent entré, pas gain rien qui fait, pas aucune activité, eh bien, pays a toujours à souffrir. Eh bien, gon l'autre, et prend encore, gon l'autre bagarre encore, qu'a parlé de Saint-Domingue. Et yon bonne nouvelle pour tout le monde qui était à Saint-Domingue ou bien pour tout le monde qui était en Haïti, qui était gain visa et visa ou t'es expiré, eh bien, il a parlé plus ouais. Comment yo ka ouvert ambassade Saint-Domingue yo pour capable pour moun yo capable renouveler visa yo parce que l'argent pas entré Saint-Domingue et pas gagné et qui fait et touristes pas entré et marchandises yo pas vendre so yo obligé à créer une façon pour ouais si yon possibilité pour yo capable renouveler ou bien réouvert et ambassadeur pour nous, pour Haïtiens capable rejoindre visa pour capable répondre activité que yo qu'on fait. C'est tout point ça c'est bail ça c'est tout bail ça cap discuter pour marchand yo en Haïti. C'est comme ça et Donald Trump lui-même les jeunes militaires Donald Trump senti content ka ouais dans photo là comment Donald Trump figure Donald Trump vie Donald Trump senti content que les jeunes militaires pour les capables encore marcher pour les capables faire campagne. C'est toute information ça que nous te voulons partager avec nous. Regardez vidéo, partagez like vidéo et puis n'apportez une prochaine vidéo pour encore demain matin, si vous voulez, restez branchés. Bye bye, bonne journée.